ma omande de onian gate ba nit shines lite onit itelwam fayutli gio shadow steuba lite runuelwam. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Gameblog.fr pour des impressions qui détendent sur Shyness, le jeu d'Enigami, les Lillois qui sont en train de préparer un petit jeu, un petit RPG avec des éléments d'action dont je ne fais que chanter les louanges depuis la première fois qu'on l'a vu. Très manga, hein, vous saviez que c'était un projet qui date d'il y a plusieurs années et qui tenait beaucoup à cœur d'un dessinateur, d'un artiste qui a poussé vraiment le projet. Alors j'ai l'occasion d'y jouer cette fois, vraiment de mettre les mains dessus. Et j'ai pu me rendre compte que c'était un déroulé assez classique avec une petite présentation, une petite introduction dans laquelle on voit le héros avec un copain à lui dans un bateau, dans une tempête, un bateau volant. Hein. Ils sont dans une tempête, son pote, il tombe malheureusement et le bateau volant se crash alors ça y est, je suis totalement déconcentré par ce passage. Donc il se crash avec le héros qui s'appelle Shadow. Voilà, et Shadow en fait on le prend en main et on doit se balader dans une petite plaine pour essayer de retrouver ce pote justement. Sauf que cette petite plaine dans laquelle on va se balader, outre le fait qu'elle est très jolie, hein, elle est vraiment très très sympathique, mais le problème c'est qu'elle est remplie de petits ennemis un peu partout. Alors première mécanique avec laquelle on va se familiariser, c'est la création de menhirs en fait. À n'importe quel moment, Shadow peut invoquer un menhir derrière son dos et le poser devant lui ou le lancer. Et l'idée en fait dès le départ, le début du jeu qui a un gros tuto, eh bien c'est tout simplement de créer un menhir pour actionner des interrupteurs qui sont au sol pour ouvrir des passages évidemment. Mais il y a une petite subtilité qui là pour l'instant n'a pas posé de problème au début du jeu, c'est que il ne peut invoquer que deux menhirs en même temps. S'il invoque un troisième menhir, alors le premier qu'il avait placé disparaît immédiatement. Donc à mon avis ça va y aller au niveau puzzle pour la suite. J'ai avancé donc dans une forêt qui est tout à fait charmante, avec des beaux effets de lumière, très verdoyante, des plantes rouges un peu partout, des cristaux un peu partout. Et j'ai pu arriver ensuite sur une superbe plage avec différents personnages. Dans la forêt, j'ai rencontré aussi un humain qui avait l'air un peu à côté de ses pompes et qui pouvait pas nous dire si le pote de Shadow était dans le coin ou pas. Et donc, j'ai avancé vers une plage. En même temps, il y avait deux silhouettes étranges de personnages qui avaient l'air un peu félins aussi, des humanoïdes un peu félins qui donc observent au loin et qui ont l'air de pas trop apprécier qu'avec Shadow on se balade. Bref, une fois arrivé sur cette plage, je me suis rendu compte qu'on pouvait ramasser des coquillages, mais des coquillages qui s'enfuient quand ils vous voient approcher. Pareil pour d'autres bestioles comme des espèces d'écureuils, des espèces d'hérissons. Il s'enfuit à chaque fois que vous approchez, il s'enfuit. Et du coup, il faut, eh bien, avec le stick gauche, en appuyant sur le stick gauche, passer en mode furtif et essayer de récupérer les éléments qu'ils portent, hein, qu'ils charrient en eux. Voilà, ça c'était des petits éléments qu'on a pu voir, mais évidemment, un des trucs les plus importants, c'était le combat. Alors le combat, ça fait un peu comme dans Naruto, ça se fait très simplement. Vous arrivez à côté d'un ennemi, vous commencez à lui mettre un coup, ou alors lui, il vient de foncer sur vous, il est agressif. Et du coup, ça fait un peu comme dans un Naruto, vous vous retrouvez dans une arène fermée, et là il faut enchaîner le mieux possible les différents combos avec les différentes attaques qui sont disponibles. C'est pas super facile, hein, vraiment. Il y a des petites subtilités au niveau des contres, par exemple. Le timing des contres est très très serré. On voit que les développeurs qui avaient envie de quelque chose d'assez profond en termes de baston, ils ont voulu que ce soit pas réservé non plus à des gens qui n'ont aucune concentration, comme moi par exemple. Et donc, que ce soit pour les contres ou pour les esquives, c'est assez compliqué de prendre le bon timing, notamment face à un ennemi qui ressemble un peu à une plante humanoïde qui il vous envoie des projectiles. Et j'avoue que le timing pour comprendre à quel moment les projectiles vont arriver sur vous, et c'est pile au moment où ils arrivent sur vous évidemment qu'il faut lancer le contre, j'ai eu du mal à le choper. Mais bon, tout ça encore une fois, ce sont des choses qui pourront être approfondies une fois qu'on aura des versions on va dire avancées entre les mains. Toujours est-il que Shyness bénéficie vraiment d'un caractère design, d'un design général qui est charmant. Les musiques aussi. Alors là, les musiques, si vous avez joué à Chrono Cross, vous aurez l'impression que ça a été tiré de la BO de Chrono Cross. C'était vraiment, mais
absolument enchanteur. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai besoin de me faire masser. C'est peut-être parce que j'avais besoin d'encore un peu plus de douceur, un peu plus de relaxation après avoir joué à Shyness, qui m'a vraiment transporté dans un monde très très doux, très très agréable. Et puis il y a cette ambiance qui est aussi agrémentée de cette nouvelle langue. Hein. Vous savez, il y a des linguistes qui ont travaillé sur Shyness pour créer une toute nouvelle langue. Et en jeu, bah, ça s'intègre très très bien. Et c'est vraiment, ça fait partie des petites curiosités du jeu qui le rend encore plus charmant. Bref, Shyness, c'est un jeu à attendre pour cette fin d'année 2016. Il n'y a toujours pas de date. C'est dingue. Et il n'y a toujours pas de confirmation non plus, si je me rappelle, que le jeu sortira ailleurs que sur PC, mais à tous les coups, il va sortir sur PS4 et Xbox One. Normalement, je pense. Il n'y a pas de raison, en tout cas. Bref, Shyness, je pense que ça va être du bon boulot. On l'attend pour la fin d'année 2016. Bah, d'ici là, je vais continuer à me faire masser. Et puis, on se retrouve pour d'autres impressions en direct de la Gamescom sur Gameblog. N'oubliez pas le hashtag GC Gameblog. Et puis, si vous voulez vous faire masser, vous pouvez venir dans la partie business. Malheureusement, si vous faites partie du public, c'est mort. Ah, ça fait du bien, ça. Bon, allez, on se retrouve bientôt sur Gameblog.fr. Ciao. Bon,